avec une superbe coiffure peroxydée qui met en émoi tout le staff des relations publiques de la Fédération Française de Gymnastique. Eric Casimir. Eric Casimir dans sa spécialité, le cheval d'arçon. Alors c'est une nouveauté de la part d'Eric. Et c'est vrai que je me demande si vous ne devriez pas essayer ce genre de couleur, mon cher Michel. Si, ça m'irait parfaitement bien, je pense qu'il n'y a aucun problème. Je suis sûr, mais comme je ne monte plus sur les agrès, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Voilà, en tout cas, on le sent très très concentré et c'est bien nécessaire sur cet agrès à haut risque. Eric Casimir qui va essayer de faire jeu égal, mais dans son style à lui, avec l'indétrônable Marius Urzica. C'est parti. Voilà, parfaitement bien placé. Pour l'instant, on le sent très haut au-dessus du cheval. C'est bien ça. Hein, oui, ce qui est caractéristique de son style. Gabarit très très longiligne. Le corps est toujours bien placé, bien aligné. Le bassin basculé. Il garde tout son rythme. Et la sortie. Juste une toute petite flexion de jambe avant la sortie, mais l'ensemble est magnifique, très aérien. N'oublions pas qu'il y a deux gabarits sensiblement différents. Voilà, Marc Touchet, il est plus grand encore que Marius Urzica. Et donc vous avez vu, comparé à Urzica, ah oui, il y a une différence de gabarit. C'est un géant, Eric Casimir. Merci. Et là, il nous a fait vraiment... Ce qui impose un style différent, et c'est vrai qu'il est... Né sur ses arçons. Faut pas oublier, oui, cette différence de gabarit, ça. En tout cas, ça joue quand même. C'est du beau travail. Il assure son entrée dans la finale de ce magnifique tournoi. Voilà, petite flexion de genou ici avant le ciseau demi-tour. Ce qui permet de dire qu'il peut encore progresser dans le détail. Et aujourd'hui, nous ne sommes qu'en début de saison. Donc, il y a encore un peu de temps avant les championnats du monde. Eh bien, on va retrouver Eric Sanson-Casimir en compagnie de Nelson. Oui, Eric, tout souriant. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Hein. Vraiment une amplitude, comme le disaient Patrick et Michel à l'instant, une amplitude au-dessus de cet agrès. Et puis, pas de fatigue visible sur la fin. Très, très bien tout le long. Non, c'est vrai qu'un très beau moment du début à la fin. C'est vrai que j'appréhendais un petit peu... ce jour, parce que bon, hier j'ai un petit peu du mal, mais début de mouvement très bien et la fin j'ai mis de l'amplitude et ça s'est très très bien passé. Vous pensez avec ce type de démonstration pouvoir, disons, titiller Marius Urzica? Oui, bien sûr, de toute façon je suis là pour ça quoi. Eh bien non, nous prenons date pour demain en tout cas. Nelson, les cheveux ça joue? Comment les cheveux c'est un pari? Ah oui, ou c'est oui, pour la saison. Vous avez une coupe de cheveux, une couleur de cheveux qui ne laisse personne indifférent. On vous demande si, un peu comme Sanson, est-ce que ça peut vous aider? En tout cas, ça vous aide auprès des spectatrices, ça c'est sûr. C'est fait pour, non, je déconne. Non, c'est un changement de look et tout simplement. Quoi, donc, écoutez, gardez-le parce qu'il vous réussit bien. Merci. Merci Eric. C'est fait pour, nous dit-il, Eric. On va voir sa note tout de suite. 9,725. Ouh, bah alors, là, il y a de la performance. Et oui, ça joue serré avec Marius, juste un poil derrière. Oui, mais là, ça nous le met sur le podium, Eric. Et oui. N'oublions pas que des bonnes notes qui s'enchaînent.